Yo, Martial, Pano, Chine, moi, Amaï. Non, ma belle, 2018, je viens tout fumer, bras à fil à crier. Depuis Wapa, je fais les choses et j'ai le sang d'en mouiller. J'ai le sang d'en brailler, j'ai le sang d'en brailler. Batailler, racailler, tripatouiller les constitutions, ils appellent ça travailler. Loin de moi, j'ai omis de dire au revoir. Loin de moi, j'ai promis de rentrer à temps. Loin de moi, je suis loin, mais toujours à côté de moi. Loin de moi, je prendrai pas la mer. Le mot exil, c'est lourd à porter d'abord. Et au début, je refusais carrément de dire que j'étais en exil. Après, ça s'est imposé. Et au fil du temps, j'ai compris qu'être en exil, ce n'est pas forcément comme certains le diraient, être lâche ou avoir abandonné ou avoir fui. Il disait qu'il était le père de la nation, le bâtisseur infatigable. On sait tous que c'est faux. Et aujourd'hui, pour le Congo, il incarne plutôt la carnation. J'ai pas été le seul à quitter le pays. Il y avait quelques membres du mouvement Ras-le-bol qui a eu à mener des activités pendant la période référendaire au Congo. Donc il s'agissait d'un éventuel référendum pour changer la constitution et maintenir le dictateur Sassou au pouvoir. Donc le mouvement Ras-le-bol a mené des activités consistant justement à appeler les populations à dire non à un coup d'État constitutionnel et ensuite à barrer la route à un éventuel troisième mandat de M. Sassou. Malheureusement, les choses ne se sont pas déroulées comme nous on les avait prévues. Donc du coup, le dictateur s'est maintenu au pouvoir et à un certain moment, c'était pour nous impossible de vivre à Brazzaville et même partout dans le Congo, hein, c'était pareil, des chasses à l'homme et Dieu seul sait combien ont été tués, kidnappés, torturés. L'immigration n'est plus choisie mais forcée. Chaque jour, la Méditerranée en prend pour son ventre. Des familles entières s'évaporent comme un ciel qu'on éventre. Des innocents meurent du jour au jour à l'est de la RDC, bientôt 7 millions de morts. Mais qu'est-ce que fout l'ONU? Pourquoi ça culmine? Mais qu'est-ce que foutent les nus? Que faire de mieux quand tous les jours on nous promet la guerre jour et nuit? Ce qui me manque, c'est ma famille d'abord, des amis, ma vie là-bas et le combat. Le combat, ça aussi, ça me manque beaucoup parce que la situation du Congo aujourd'hui n'est pas enviée du tout. Et ça, me sentir loin, sans effort, c'est presque désarmant. C'est beaucoup de peine parfois, c'est beaucoup de chagrin, c'est beaucoup de regrets. Parfois même, on regrette d'être parti. Ça me range beaucoup, mais depuis que je suis au Burkina, ça a changé. Ça a changé et je commence à me dire qu'il fallait quand même partir et c'était nécessaire de le faire. Le jour se lève encore sur les mêmes peines. Le Congo souffre et Denis veut nous faire porter de nouvelles chaînes. 2016 après le viol de la constitution. Nouvelle élection, nouvelle fraude, donc nouveau crime. Mais sur la toile ça se voit que tous les zombies friment. Le boule saigne et la dictature s'enracine. Cette nuit la pluie et le Congo pleure. La musique au départ c'était comme pour représenter, c'est déjà le rap, c'est une musique que j'écoutais beaucoup depuis tout jeune et j'ai commencé à faire du rap dès l'école primaire. Et après, ça s'est imposé à moi parce que je vivais dans un pays où les urgences, ça forcément ça vous engage. C'est la seule façon pour moi de résister et c'est la seule façon de vivre aussi parce que je vis quand même de cet art tant bien que mal. Et les ambitions, ça reste continuer à travailler parce que je ne fais pas que la musique, j'écris aussi. Et continuer à exercer ces deux arts jusqu'à ce que ça s'exporte au-delà du Burkina, comme c'est parti du Congo, au-delà du Burkina, au-delà de l'Afrique. Augustin Kalakala a été retrouvé presque mort. Les stigmates de la torture sur son corps. Ça froisse l'esprit, normal que ça nous arrache les cœurs. Tout le monde le voit, mais combien sont ceux qui s'écœurent? Les Congolais pris en otage deviennent pires que des zombies. La peur les baillant dans leur cauchemar des obus. Sans l'audace de Sankara, que serait le Burkina? Sans l'audace de Mandela, que serait le South Africa? Sans l'audace de Lumumba, que serait la RDC? Sans l'audace de Martin Luther King, de Malcolm X ou de Rosa Parks, que seraient encore les Noirs aujourd'hui aux États-Unis? Sans l'audace de Tamatswa, de Kimbangu, de Kimpavita, que serait encore le Congo aujourd'hui? Après les colons, ce sont les nôtres qui nous assassinent. Ici, personne ne peut nous faire abattre le caquet. Sous le poids de la démagogie, le gouvernement craquelle. On parle de liberté d'expression, mais je vois pas laquelle. Celle qu'on isole ou celle qu'on muselle? Celle qu'on cisèle ou celle qui n'a plus d'elle? Non, il faut qu'on décolle. La
ville Nabanko, Mantro, ça déconne et la pauvreté gronde comme des caquets. Nos futurs robinets ne vomissent que des okakis. Faut que la SN2 mante, c'est tous des bédembaki.